Bonjour, je suis Sergei Ivanov, directeur de la société Steen. Aujourd'hui, nous sommes au cartodrome ouvert de Toulon, en Russie, et nous poursuivons les tests de notre karting électrique. La fois précédente, nous avons effectué le premier test du véhicule sur une piste de karting fermée avec Andrei Lobov, directeur de la société Ressources. Et à présent, nous allons vérifier la fiabilité de toutes les modifications que nous avons apportées après ces premiers tests. La dernière fois, il y avait des problèmes avec la fixation du moteur et en plus, la transmission par courroie ne transmettait pas bien la puissance car les dents sautaient et nous ne pouvions pas transférer toute la puissance du moteur au châssis. Cette fois-là, nous avons corrigé ces défauts, nous avons mis une transmission par chaîne de type pignon, ce qui permettra d'ajuster clairement la transmission car nous pouvons changer les pignons plus rapidement et directement pour chaque don. Nous avons remplacé notre fixation du moteur par une fixation professionnelle. C'est-à-dire que nous avons maintenant un réglage clair et une parfaite tension de la chaîne. Dans les tests précédents, notre facteur de transmission était d'environ 3,5 et cela ne permettait pas d'accélérer le karting jusqu'à la vitesse maximale dans les sections droites de la piste. Tous les pilotes et les mécaniciens ont noté que cette nouvelle fixation était parfaite. L'alignement des pignons est maintenu à 1 mm de précision, aucune déviation sous aucune charge ne se produit, le pignon principal se change très facilement et rapidement. Nous avons pu tester 4 facteurs de transmission différents. Spécifiquement pour ce kartodrome, le facteur de 3 à 3,5 a été le plus approprié. Avec le facteur de 3,5, il n'y avait aucun problème. À noter que la transmission par courroie avait un facteur de 3,45. À vrai dire, c'est le rapport parfait dans lequel le karting peut prendre une vitesse de 80 à 82 km/h. Mais nous avons décidé d'augmenter la vitesse et d'essayer le facteur de transmission 3 et moins. Cependant, dans ces conditions, le moteur commence à surchauffer. Pourquoi cela arrive-t-il? Cela se produit parce qu'il est fortement chargé dans ce cas. La piste est courte, il y a beaucoup de virages. En sortant des virages, on accélère chaque fois. En entrant dans les virages, on freine et le moteur commence à surchauffer. Mais je pense que nous pourrons faire face à ce problème. Nous allons modifier la boîte de sorte que le moteur soit soufflé par le flux d'air venant en sens inverse. Nous avons déjà une telle expérience. Nous l'avons fait sur un traîneau électrique au tout début de nos activités. Un moteur DA90 surchauffé et quand nous avons organisé un flux d'air supplémentaire provenant du mouvement du traîneau, le moteur n'a plus jamais chauffé sous aucune charge. Lors de ces essais, des pneus sportifs ont été installés, mais malgré cela, le moteur puissant a parfois fait déraper le karting. De plus, lors de l'une des courses à la suite de graves surcharges, les tirants de direction ont échoué. Comme les experts m'ont expliqué, sur les voitures de sport, les tirants sont spécialement affaiblis afin de ne pas endommager le cadre coûteux en cas d'urgence. C'est comme pour les voitures ordinaires. Si les tirants de direction sont en aluminium et cassent, le cadre de la voiture ne sera pas endommagé. Nous avons remarqué que la pédale d'accélérateur ne fonctionnait pas toujours clairement. Voici le dispositif d'accélérateur que nous avons refait à neuf. Il n'est pas encore complètement finalisé. Eh bien, soit on revient à l'ancienne version de Bosch, ou on finalise cela. On verra. Pourquoi éliminons-nous si soigneusement tous les défauts? Le client a besoin d'un produit qui, par sa fiabilité, dépasse les véhicules à essence. Comme on disait auparavant,
Le produit doit être conforme à la norme du secteur militaro-industriel de l'URSS. Et nous nous efforçons de le faire. Non seulement le moteur doit être fiable, mais toute la structure doit être fiable. Tout le produit ne doit pas causer de doute aux clients. Nous aspirons à cela. Merci de votre attention. À bientôt.